Yo tout le monde, je vous présente aujourd'hui un petit outil sympa pour tous ceux qui impriment en résine. Bon voilà, ça va être une vidéo vraiment rapide. J'ai modélisé ce petit support. Alors, c'est dédié à ceux qui impriment en résine. Essayez de deviner peut-être pendant quelques secondes à quoi ça va nous servir. Voilà, un genre de petit monstre comme ça, avec une petite forme de bouteille. Ah oui, j'entends dans l'oreillette, c'est pour vider les bouteilles de résine. Oui, c'est ça, dans les bacs d'impression de nos imprimantes résine. Alors, c'est un premier modèle test. Voilà, c'est pour un peu sortir des modèles outils, entre guillemets, qui sont vraiment basiques, droits, carrés, juste deux tiges qui tiennent une bouteille et tout ça. Là, c'est vraiment un truc sympa. Donc, c'est imprimable à plat, sans support, pour avoir un petit joli truc sympa comme ça. Et du coup, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc voilà, quand on a une imprimante résine, on arrive à un certain moment de la partie où on doit vider complètement nos bouteilles de résine. Et en général, on reste 20 minutes comme ça. Mais avec ce petit outil, on n'aura plus à attendre 20 minutes pour vider nos bouteilles de résine. Enfin, on devra attendre quand même un petit peu. Donc voilà, le but c'est très simple. Quand on arrive à la fin de notre bouteille de résine, on prend notre bac, notre tank de résine. On va le mettre sur un petit sopalin. On va prendre notre petit outil qu'on a imprimé en FDM. On le place juste ici. Donc ça tient, ça bouge pas du tout. On ouvre notre petite bouteille de résine. Bon là j'ai mis un petit sopalin parce qu'elle est vide complètement. Et on va juste faire hop. Et là, ça bouge plus. On a notre résine qui s'écoule petit à petit dans notre bac à résine. Et pendant ce temps-là, la bouteille se vide et nous, on n'a plus rien à faire. Alors attention, pour l'instant, le modèle n'est disponible que pour la résine de chez Elego. Je sais que tout n'est pas compatible avec ce modèle-là. Par exemple, la résine de chez Erion ne fonctionnera pas du tout avec ce modèle-ci. Mais voilà, j'ai trouvé ça un peu cool de modéliser un outil assez sympa, assez joli, plutôt que d'avoir des formes vraiment simples et de mettre ça pour pouvoir vider complètement nos bouteilles de résine. Juste pour info, ça a été imprimé sur une imprimante FDM en 0,16 mm par couche et en remplissage à 20%, ça m'a pris 100 grammes de plastique. Donc voilà, pour un petit outil stylé et utile, ça vaut le coup. Je vous mets les liens vers Thingiverse dans la description. Juste une piqûre de rappel, n'hésitez pas à participer au concours de la Team Body 3D, donc en imprimant cette canette. Je vous mets le lien juste au-dessus, allez jeter un coup d'œil. J'espère que ce petit outil vous sera utile. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux si vous l'imprimez. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube. N'oubliez pas à activer la petite cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bon print à tous et à la prochaine. Tchuss!